Bon, ben bonjour tout le monde. Bon, ben pour poursuivre avec la fin du jeu, ben il y a un petit bonus qu'on ben en fait on peut encore poursuivre l'aventure en jouant à cacher avec petit bricolo, en essayant de découvrir ce qui se cache dans chaque niveau. Bon, là, je vais faire le premier avec vous, puis ensuite ben je vous montrerai juste des séquences de d'où ce qui se situe. Vous donner un point de repère. Pour savoir ce qui se trouve. J'aimerais de la difficulté à trouver. Ah, il est ici. Ok, pour ce niveau-ci, où est la cachette de petits bricolos, ça va être facile de vous donner un point de repère pour ce niveau-là. Tout juste à la bord du deuxième point de contrôle, juste après, regardez un mouton blanc en carton. Puis regardez juste devant ça. Voilà. C'est au deuxième point de contrôle qui se trouve, tout juste après. Aux abords du deuxième point de contrôle dans ce niveau-là. Au niveau bougie et les routes déroulantes. Bon, pour ici, je vais faire le niveau en entier. Oui, c'est un défi. Ah, il était là. Lorsque les chutes et le cadeau en or, juste après ça, après avoir traversé cette route-là, oups, voilà le petit bricolo dans le volcan. Mais caché dans le volcan.
et juste avant le premier point de contrôle. Tout juste après le premier point de contrôle, il y a différents blocs, fait que il est là, c'est collé. Parmi ces blocs-là. Où c'est qu'il y a un petit bricolo ici? Aussi simple que ça. Juste là, ouf. Bon, pour ce niveau aussi, juste après avoir passé le premier point de contrôle, passer ce sentier là et voilà le petit bricolo juste là. Bon, la cassette de bricolo se trouve lors de la premier remont de pente, enfin plutôt une remont de pente qui descend, le premier pour croiser sur votre route, et c'est tout juste ici.
tout juste après les trois pôles qui sont collés un à côté de l'autre. Le petit vélo se trouve tout juste ici. Est-ce que la brique là? Hein? Ouais, un instant. Bon, ça n'a pas été difficile de trouver un petit bricolo dans ce niveau-là. C'était le départ, juste ici. Bon, ben pour ce niveau-ci, petit bricolo se trouve tout juste avant la jonction qui mène vers le premier point de contrôle où on verra apparaître Pushy. Ben regardez, il est juste là, caché tout juste là ici. Bon, juste après le premier point de contrôle, ben, une fois que vous avez passé ce passage-là, pour se rendre jusqu'ici, ben, il va juste à monter à la courbe ici, et à tirer pour faire descendre ça. Et ensuite, regardez, il y a juste un bricolo. Ouf! Le petit bricolo. Il est juste ici. Bon, ben, pour ce niveau-ci, autour de ma neige, mon petit bricolo se trouve dans un trou. Ok, après d'avoir passé le deuxième point de contrôle, vous allez descendre, vous allez prendre une plateforme puis aller descendre en pente descendante. Et à un moment donné, dans un trou, il va se trouver le petit bricolo juste ici. Bon, dans ce niveau-ci, après le premier point de contrôle, vous rentrez dans une autre maison hantée. Alors, c'est tout juste un petit peu, et la porte va se refermer. Oh, qui voit là? Petit bricolo. Juste derrière la porte. Faut juste que vous reculez un petit peu, puis la porte va se barrer automatiquement. Fait que, donc, c'est ça. Bon, allez, go, je vais essayer de chercher petit bricolo. Ah, il est là! Et bien, ça m'a pas pris le temps pour trouver un petit bricolo dans ce niveau-là. Toujours à la première présence du bloc F. Regardez, il est juste dans l'arrière-plan, juste là. En arrière, sur le côté, mais vers l'arrière, puisque les deux sauts de pingouins. Ouais. Les deux sauts avec les décès de pingouins. Pouf, juste là. Aussi simple que ça. Pour ce niveau-là. C'est simple, c'est dès le départ. Premier bloc F que vous croisez sur votre chemin, soit en arrière-plan, juste en diagonale des deux sauts en forme de pingouin.
Bon, ben, dans ce niveau-ci, petit bricolo se trouve après le premier point de contrôle dans cette porte-là. Bon, pour ce niveau-là, ça sera pas évident, là. Donc, ah oui, on commence. Où va se trouver petit bricolo? Derrière cette paroi, ou on le sait pas. On inverse les rôles. Ici. Bon, pour ce niveau-ci, bon, petit bricolo se trouve bizarrement juste là au-dessus d'un mur comme ça, de côté, il est collé de côté, il est prêt à tomber. Aussi, vous voyez sur ce deuxième point de contrôle de ce niveau, et petit bricolo se trouve ici. Au tout début, est-ce que les grenouilles qui sautent? Et il y a une plante piranha pour vous aider à repérer où est le petit bricolo sur la séquence. Je l'ai détruit. C'est dans la façon qu'il y avait la plante piranha qu'il faut que vous visiez. Ça va être plus simple comme ça. Ah, il est là. Oh, où est le petit bricolo ici? Oh, surprise! Bon, pour ce niveau-ci, le petit bricolo se trouve sur la planète où ce qui est vraiment en hauteur. C'est tout juste avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Genre, il y a genre deux. Il y a genre des espèces de mini-fusées rotatives. Ok, il y en a qui s'en va vers la gauche de gauche. Vers le haut, en allant vers le bas, genre en faisant un demi-cercle. Puis il y en a un autre qui arrive en descendant puis en montant vers la planète qui est ici. Puis il redescend par en dessous de cette planète-là. Le petit colo se trouve juste là. Pour ce niveau-ci, petit bricolo se trouve, après
que vous avez traversé le premier point de contrôle, allez vers ce sentier-là, puis où je me situe en ce moment, et c'est tout juste en haut de ça, entre deux petits mini-robots. Aussi simple que ça. Pour ce niveau-ci, le petit bricolo se trouve après le deuxième point de contrôle. Mais là, on peut, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais au fond, à notre gauche, entre les deux sapins, mais non, vous dites, le sapin de gauche, il est directement entre le deuxième sapin, le sapin à gauche et la tente, et entre la tente, qui se trouve, ce bricolo. Juste ici, regardez, pouf! Pour ce niveau-ci, un petit bricolo se trouve dans ce coin-là. Et voilà, tout ici. Trouver juste après les premiers boosts pour les premiers boosts d'accélération. Ouais. Bon, ben j'ai finalement trouvé la cachette de petit bricolo dans ce niveau là. En fait, il est tout juste là avant que la première poupée vaudou te spot dessus. Oh fuck. Tout juste là. Pas juste qui frappe la porte et qui le verra. Je ne l'avais pas remarqué. Où va-t-il se cacher cette fois-ci? Ah, ben il est juste là. Hein? Aussi simple que ça. Juste dans la fusée dès le départ. Ça, c'est le fun, ça, quand ça arrive. Wouhou! Bon, ben, ce petit bricolo-là, dans ce niveau-là, qui se trouve quand même assez loin. Ok, vous passez le deuxième point de contrôle. Puis ensuite, vous traversez les colonnes de lave. Puis ça, il devrait se trouver à peu près ici. Juste après ce pylône qui monte, qui descend pour t'écraser. Et voici le 40e. Bon, pour la suite des choses, il y a une terre secrète qu'il faudrait que j'aille découvrir. J'ai pas été joué encore là, fait que les trois petits bricolos qui restent dans les trois niveaux suivants, ben ils se trouvent probablement là. J'ai été allé dans toutes les régions, à part la taille secrète qu'on développe uniquement quand. Quand on finit le dernier boss. Pour ça, il faut que j'aille dans la région de la. Dans la région spatiale. Dans la station spatiale. C'est la région ou station spatiale. Regardez tout ici. Cette route-là. Qu'on débloque après avoir terminé. Les nouveaux costumes qu'on peut aller chercher. Regarde, vous voyez, t'as des secrets.
pro mécanique. Ici, il y a des costumes de la taille des tailles secrètes. Probablement les derniers. On va voir ces 10 derniers. 10 derniers costumes qu'on peut obtenir dans le jeu. Si on n'inclut pas les amiibo Yoshi qui sont compatibles avec ça. Toy-Con. C'est Toy-Con. Genre, pour dire Joy-Con. C'est comme Joy-Con. Cousin Bricolo. Poussive le ciel. Il y a le rose puis il y a le noir aussi. Oh, voici le super haut qui vient de sortir. Sa suprématie Buzzer. Voilà la machine en crocodile qui voulait dans son dans son souhait. Il touchait ce qu'il voulait. Il voulait avoir une machine en crocodile. Le petit Pouchy rose. Robot Tycoon. Le petit savant qui sait tout. Le vieux savant qui sait tout. En tout cas, je le dis. Okay. Le vieux qui sait tout. Je... Comme vous voyez, il y en a 174 à débloquer. Sur 170 dans le jeu, plus 4 amiibo Yoshi. 4 amiibo sont compatibles avec le jeu. C'est seulement celui du Yoshi normal. Qui peut être compatible avec n'importe quel jeu. Pas le Yoshi vert. Les 3 jours, je ne sais pas. Ça, je peux pas vraiment vous dire, je ne sais pas. Je ne sais pas les 6 amiibo Yoshi là. Je ne sais pas c'est quel genre. Faut pas avoir ces costumes là. Et pour la 8e vidéo, je suis curieux de savoir c'est quoi. Probablement il faut que je finisse tout le jeu à 100%. Probablement finir la taille secrète. Pour pouvoir en savoir plus. Il va y avoir probablement
un nouveau boss, probablement la revanche de Kamek et de Bébé Bowser. Notre revanche sera terrible. Ouh. La deuxième fois, Vinette est à 15, mais pour le reste, ça va être compliqué. On va finir par les tous les avoir. Mais le dernier, ça va être hardcore pas à peu près. Tiens, je viens de le trouver. La cachette de petit bricolo dans ce niveau-là. C'est tout juste après avoir fini de monter la première plateforme pour aller à la deuxième. Juste ici. Et voilà, petit bricolo trouvé. Oh! Regardez où ce qu'il est, le dernier petit bricolo. Regardez ça où ce qu'il est. Personne n'aurait jamais pensé d'aller en arrière et aller voir s'il n'y avait pas quelque chose là. Oh! Il est là. Mais pas d'œuf. Je le cherchais partout, mais j'ai jamais pensé à aller vers l'arrière en début de partie. Et voilà. Il est juste derrière vous quand vous commencez le niveau. On va voir ce qui se passe après quand que on a réussi à le trouver dans tous les niveaux. On va trouver petit bricolo dans tous les niveaux. Junior bricolo. Super rare. Ah! Un nouveau costume. Bon, ben il m'en reste deux, mais je sais pas si vraiment il en reste deux que je dois acquérir. En tout cas, les derniers trouvailles se trouvent là.